Et nous sommes repartis. Oula! Ready to roll, Rangers. Ah, quand ils sont pas avec nous, et du coup on peut pas les cacher leur casque en fait, leur casque réapparaissent. Marrant ça. C'est moi ou les graphismes sont pas. Ah non, c'est ça. Non, c'est bon, c'est bon. Désolé. Alors, qu'est-ce qu'on voulait faire? Donc on a recréé un double, un clone. On a Monsieur Mêlée qui est honnêtement plutôt cool. Qu'est-ce qu'on voulait faire? Attendez, il faut que je regarde ma liste. On avait ouvert tous les grippins, hein, je crois, qu'on connaît. On a que du crochetage à Boomer Height. Ouais, bon là c'est là-bas, c'est pas loin. On pourrait le faire maintenant, mais il faut reprendre Jody et tout. Oh là là, c'est chiant. Ah, on peut faire ça. Ready to roll, Rangers. You bet. Ready when you are. Voilà, maintenant elle a plus le. Elle est fébrile. Here to serve. Attends, on peut enlever ça ou pas? Ah mais non mais c'est buggé hein. What do you need, Rangers? Nonsense. You're not even... I don't mind. Bon, ça va partir avec le temps. Non non mais c'est buggé hein. Alors avant, alors moi j'ai pas envie que ça soit débile comme ça là. Alors après, est-ce que c'est des bugs genre d'icônes? Est-ce ou alors merde. Ou alors c'est vraiment des stats qui sont rajoutées. Ah mais comment tu veux que je vois ça, moi? Probabilité de coup critique. 23. Ouais, il y a le 3, c'est peut-être ça, oui. Non, je pense que ça marche. Hein. Vitesse de combat 0,20. Non, bah merde alors. Alors attends, elle a un chien. Ok. Alors maintenant on fait. Ok, on a enlevé le chat. Maintenant on a le chien, pardon. Maintenant on a un chat. Oh putain, c'est pas le même. Si si si, ça a marché, ça a marché. Et maintenant, Kill Bill, c'est. Je pense que la chèvre des montagnes, ça marche. Oui, je pense que ça marche. Non, ça marche pas. Ah, c'est pas le même icône. Non, ça, c'est l'icône des. Merde. C'est l'icône de ceux qui sont morts de Billie Jean. T'es sérieux là? Le Major Tomcat, il a 1600 HP. Taux de frappe, c'est pas mal, taux de frappe. Alors vous savez quoi? On va dire que ça l'a vraiment marqué, Billie Jean, qu'elle en aura toujours le souvenir. Voilà. C'est con hein ce bug. C'est vraiment con. Hein. Bon par contre on va attendre que ça parte parce que c'est à chaque fois sinon on va la reprendre, elle va toujours avoir des bugs. Hein, c'est vrai. Ah je suis dégoûté, j'aime pas trop les bugs comme ça là.
vraiment pas heureux. Et nous, on l'a... merde, non, c'est là. Et nous, on l'a jamais eu sur... sur Fury, parce que Fury, elle quitte jamais, en fait. Merde, faut l'équipe. Elle quitte jamais notre groupe, donc du coup, bah oui, c'est jamais arrivé. Mais donc, on peut totalement abuser ça. Genre, il faut prendre un animal. Après, il faut échanger le... Genre, faut que le... Genre, pas le sniper, on va dire, les snipers. Faut qu'ils aient un animal sur eux, comme ça, ils ont un buff. Après, on change de personnage, donc on les retire de l'équipe. Donc, ils vont perdre l'animal automatiquement. Mais ils vont pas perdre le buff. Et après, vous reprenez un autre animal, etc., etc. Donc, vous pouvez avoir une ligne complète de buff, quoi. Bon, après, c'est pas des buffs énormes, mais c'est quand même des buffs. Hein. C'est quand même des... Enfin, non, si, c'est pas... J'ai envie de dire c'est des petits buffs. Non, c'est pas des petits buffs, honnêtement. C'est pas de la merde. Hein. Donc, non, c'est con. C'est, ça fait un perso qui est complètement OP par rapport aux autres. Quoi. Alors, je sais plus où c'était le crochetage, par contre. Ça m'embête, ça. Bon, là, on a pu... Ouais. De toute façon, on peut rien faire. Billie Jean est mort. Donc, c'est fini, quoi. On peut plus enlever. C'est pas là. À moins que je l'ai fait cet endroit, mais je m'en rappelle pas. Après, on avait dit qu'on allait faire la guerre des mondes. Donc on va faire la guerre des mondes. Ça me rappelle un jeu indé, là. On a cette voix, là, comme ça. Je me rappelle plus du nom, par contre. Huh. Non, j'ai rien à crocheter. Non, j'ai peut-être fini... Attends, vous voyez bien Broadmoor 8, c'est ça que j'ai marqué. Crochetage, ouais, la maison. Moi, j'ai mis... Là, c'est barricadé. Bah merde alors. Non, mais on doit être bon. Hein. Après, bon, il y a là, mais le palais là. Le palais, c'est bon. Je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est bon, bah, je vais l'effacer. J'ai dû le faire et j'ai pas dû l'effacer. Ok, il n'y a qu'un crochetage au bizarre là qui nous manquerait à faire. Mais bon, il faudrait tuer tout le monde pour le crochetage au bizarre, donc on va pas le faire. Donc c'est sûrement pas intéressant. Ah non, si, on avait regardé ce que c'était. C'était un ornement pour la voiture et tout ça. Ah, ça serait cool, c'est cool, c'est une chauve-souris. Mais bon. Allez, on se casse. On y va. Donc, on va prendre... Si on prend le mec mêlé, alors oui, ça aide pour économiser les balles, mais moi, honnêtement, je dis pas non. Par contre, si on tombe que sur des robots, ça risque d'être chaud.
parce que il est pas très bon du coup. I don't give a damn about the rule of law. What Rangers? I won't seize my destiny by getting fat on your food. So yes. Oui, je sais, t'es jamais content. Ça va, on a compris. Ouais, non, lui il est bien, mais enfin après il est résistant, donc ça va, il va pouvoir tanker et tout. Ah si, il a ça, oui, ça peut, c'est bien. Mais après ça c'est que du combat humain. Du combat, enfin, pas d'énergie, quoi. Ok, let's go. On va se balader un peu. Allons faire un tour, Fléau. Time to take some chances and expand man's horizons. I wonder if there will be conflict. There's no more exhilarating feeling than being shot at with no result. Ok. C'est sympa qu'on ait... Honnêtement, c'est mieux ça, parce qu'on a 2 AP en plus. 2 PA, pardon. Dans ma tête, je crois que c'est Action Point en anglais. 2 PA. Et ça nous aide vachement, parce qu'on a le... Comment ça s'appelle ? It's Mr. Fun Times again, with a harrowing tale of a man turned servant of death. Le canon en plasma, là, il prend beaucoup. Alors ça c'est les mines normalement. Un mineur a besoin de... Ouais. Let's go. On peut aller là. Des avis. Oh. Structure cachée. L'arbre est tombé sur les décombres, dissimulé en grande partie le bunker effondré. Les entours détaillent, laissez la situation, tirez quelques coups d'avertissement, voir s'il y a quelqu'un. Ramper dans le bunker. Examinez les alentours. Vous reprenez de nombreuses éraflures et de pierres de bûche autour du bunker. Quelque chose, plusieurs choses ont aiguisé leurs griffes. On va tirer. Coups de feu retentissent dans la nuit, rebondissant dans les arbres, mais vous n'entendez rien d'autre. Petite entrée du bunker est silencieuse, si quelque chose y vit, elle est partie chasser. Inspectez le bunker. En rentrant dans le bunker, vous repérez des signes de nids d'animaux, dont les boîtes déchirées pour s'y coucher. Quelques boîtes de ce bunker sont encore intactes, il y a d'autres pièces, mais les portes sont fermées. On n'a pas le crochetage. Putain ! Ah, c'était juste... Ok, bon, c'est trop tard. On a pas le crochetage, c'est super. Comme j'ai dit... Oh, embuscade. Ennemi repéré. Enfin, voilà, comme j'ai dit, pour se déplacer, le mieux, ça serait d'avoir quand même le crochetage et tout, évidemment. Là, c'est moi qui ai merdé, parce que je veux économiser les munitions. Voilà, parce que je veux prendre le mec de mêlée, parce que je l'aime bien. Des marchands dans un vieux camion déboulent d'une intersection devant vous. Ils sont poursuivis par des robots. Les marchands s'éloignent tandis que les robots s'arrêtent et cherchent d'autres cibles. Prendre par surprise. Enfin, sans que les robots vous repèrent, il est temps d'attaquer. Ça marche. Bah tiens. Comme je disais que le mec allait combattre que des robots et tout ça, voilà. Voilà, donc on a un pur mêlé sur des robots, et on a un lance-flamme sur des robots. C'est oh, c'est top. Je suis heureux. Ah là 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 là. Je suis heureux.
Moins 32 de dégâts. Très bien, là il sera bien placé pour... Ça va m'enlever de l'accroupi ou pas? Non, ça va. Nickel. Mais bon. Oh, c'est ce qui explose. Putain, j'aurais dû regarder peut-être leur nom aussi. Gros débile. Oh, ça va, ils ont pas pris grand chose. Ah, mais Zeus, il est directement mort. Ça explose pas. Ah, il est un peu sous les roues. Ah merde, mais attends, je suis pas sur le bon perso, c'est pour ça peut-être. Voir, ouais, on a perdu. Oh la vache, comment il peut aller loin. Très bien. Ah, il va pas exploser lui. Il est où Zeus? Tiens, si on fait ça. Nickel.
Bon, au final, ça passe, le mêlée. Surtout que, ouais, on a bien fait hein, de lui mettre genre l'exosquelette et tout ça. Truc bien résistant. Pas mal. On n'a pas trop utilisé de... Non, mais voilà, se balader avec lui, honnêtement, c'est intéressant. Parce qu'on n'a pas utilisé des trucs chers, quoi. Donc, les combats comme ça, ça passe. Par contre, je crois qu'on a monté le niveau. Ah non. Non, non, c'est juste que ils ont été soignés, en fait. Quoi ça en rouge? Lieu non découvert. Pourquoi j'ai maintenant un icône? Oh là là. Ok, ça va. J'essaye de découvrir la map. Embuscade. Vraiment funèbre des drôles. Ok. Survie. Premier soin utilisé vos connaissances médecine pour obtenir un avantage. Utilisez vos connaissances de flore et de faune pour vous échapper. Ah non, ça. Pas de pauvre, découvrez les bouteilles de désinfectant. Yeah, on les asperge. Et moi, il faut que je me mette des gouttes dans les yeux, sinon je vais mourir. Allez, on va tuer les drôles. Je crois que le combat il commence pas direct. Non. Si, le combat il commence direct. C'est parti. Alors, ça, c'est les trucs qui explosent. Et là, on a deux billes là. Et on a le chef ici. Voilà. Nickel. Ah là là là, ça fait stylé. Voilà, comme ça, il bougera pas. Voilà, comme ça, il bougera pas le prochain tour. Enfin, après on va les écraser hein. Lui faut l'écraser. Ou pas. Ah mais éloignez-vous.
fait. Là, on va faire ça. Nickel. Je vais me reculer avant qu'il explose. Ouais, non, ça vaut le coup. Hein. Ça, les dégâts, ils sont quand même affreux. Hein. Ils sont quand même affreux, hein, faut l'avouer. Hein. Il reste plus. Vas-y, descends qu'on t'écrase. Mais encore. Quoi ? Ouais. On va faire ça parce que c'est un peu relou quand même. Voilà. Ouais, je pense que niveau mutants et animaux, ça va. Je crois qu'on se débrouille bien. Niveau dégâts. Il n'y a que les robots qui sont une difficulté pour le moment. Il n'y a vraiment que les robots. Pas. Par contre, animaux et mutants, c'est carnage. Hein. Surtout sniper et tout. Dès qu'elle fait un critique, on passe directement à du 4000 HP. Quoi. Donc, 4000 points de dégâts. Arriver aux mines. Ouais, Denver. Je regarde si c'est pas des endroits où on peut interagir. Okay. Bon, là j'avoue que... Oui, ta gueule. On va faire une sauvegarde parce que, comme d'habitude, je pense que vu qu'on va avoir un nouveau truc, bon là on a Kwon, mais je pense qu'il nous faudrait du crochetage quand même. Je pense que c'est la meilleure des choses. Mais bon, si c'est du crochetage, à la limite, on pourra revenir. Après Kwon avec le lèche-cul et tout ça, c'est vrai que c'est quand même utile si jamais il y a du monde. Après, il y a marchandage aussi qui peut des fois augmenter un peu la prime, mais bon, c'est rare. Enfin, ouais, tout le monde est utile. Ah, merde. Ok. Sure am glad to see you, folks. Yes, sir. We got us a genuine crisis here. Là, je commence à voir des martiens. Yes, sir. Don't know what else they could be. They showed up right out of the blue like they stepped off a flying saucer. I reckon the Martians want my Tellarium, so they sent their war machines to jump my claim. Okay. This here's my Tellarium mine, you see. Well, mine and Trudy's. Don't know what I'd do without the old girl. Works harder than any man I ever saw. Ain't afeard of nothing. I once saw her bite a grizzly bear right on the ass.
Yes, sir. Folks around here call me Bulb, by the way. That's on account of the Talarian. Makes you stink like garlic. Don't much bother me, and Trudy don't seem to mind if you know what I mean. Where was I? Oh yeah, the Martians. Me and Trudy was working at the mine, and all of a sudden these robots appeared. One of them was as big as a house. Could tell right off they weren't no scavengers. Aussi gros qu'une maison? C'est bon, ces robots venus de Mars, ils ont pris le contrôle de votre mine? Yes, sir. Wait till you hear the weird part. Ah, c'est pas la chose la bizarre maintenant. Putain. Now, I bet you're asking yourself how an old prospector like Bob would know the difference between a Martian death machine and some old scavenger robot. Am I right? We get scavengers poking around up here all the time. Trudy can hear them rust buckets coming a mile off. Well, we leave out old parts or a few pounds of ore and they leave us be. But not the Martians. No, sir. They turned up, the scavengers got madder than a pack of wet hornets. They came at the Martians from all directions. Trudy caught in the middle. I told the old girl to hightail it out of there, but Trudy. Ok, j'ai couru pour lui demander de l'aide et je vous attends depuis. J'ai commencé à m'inquiéter, vous pouvez vous débarrasser de ces foutus robots. Vous pouvez vraiment live, vous ne pouvez rien faire contre l'odeur. Ah, on va s'en occuper. Qu'est-ce qu'on y gagne? Ok, des livres pour fabriquer des choses, ça marche. Ça me va, allez, let's go. Désolé, des fois je laisse un peu les conversations, mais des fois putain, qu'est-ce que c'est chiant. Oui, non mais. On est sur le coup. Elle est vers où ta mine? Coffre là, on peut le prendre ou pas? Wow. Ok, ça tue. Bon, on verra ça après. La mine, elle est sur ma droite. Voilà, elle est à gauche. Donc ce sont des robots, apparemment il y en aurait beaucoup, et ils ont pris possession de la mine. Ouh, du grésillement. Ouais, ok, il y a des... Il y a sûrement des... Attends, on va prendre le renard, parce que les renards c'est rare. Sûrement des synthétiques. On va voir. Peut-être qu'on va devoir les convaincre d'arrêter de foutre la merde. Un bruit de modem, putain, ça fait longtemps que j'ai pas entendu ça. Oh. C'est vraiment endommagé. Essayer de réparer le robot. Vous avez maintenant sur le point de rendre l'âme, vous faites vide, vous pouvez essayer de réparer son électrocuté, demander de récupérer des pièces détachées. Démonter le robot pour récupérer les pièces détachées, réparer l'électrocuté du robot. Cri d'agonie, vous sentez l'odeur du plastique brûlé. Interroger. Récupérer. Huh. Ok.
Ça devrait aller quand même au 8 et 8, ça m'étonnerait qu'on trouve du 9 ici. Enfin, j'espère pas, on verra. On aurait dû prendre les pièces détaillées. Qu'est-ce qui lui arrive à la radio? Oh, un scorpion! Qu'est-ce qui se passe? Faut essayer de comprendre ce qui se passe. Bon, déjà, il y a des trucs à récupérer. Donc. Liaison micro-fusée. Oh putain, c'est le... C'est pour fabriquer... transformer les dégâts en fusée, je crois. En explosif. À 2986, ça va. Ça tue. Il faut plein de... Donc c'est quoi? C'est les... marchandages. Énorme. Fais ça sur le tueur et finir pour l'user. Cibler le robot le plus proche avec le laser, s'éloigner. Attends. D'abord on va voir. J'ai l'impression qu'on peut jouer à parler à lui. Bah il se passe quoi exactement? Pile nul. Ah, il parlait de lui. Notre. Initiating diagnostic checks. Motive systems disabled. Power supply damaged. Deactivating non-critical subsystem to alert. Proximity sensors activated. Initiate defensive combat protocol. Evaluating success of combat protocol. Combat subroutine not responding. Enabling communications protocols. Initiate. Grandma? Is that you? Grandma, it's Timmy. Oh là là. Parole de Timmy, c'est mamie, je suis là mon chéri. Vous appelez Timmy? Timmy, c'est bien. Oh mon dieu, stop. Was subterfuge successful? Evaluating. Negative. Non, ça n'a pas marché. Lançant les protocoles d'établissement de liaison. Acceptez-vous de m'aider? Nous avons des questions. Cherchons Trudy, vous ne l'aurez pas vue par hasard. Présent, elle a été éteinte et attend d'être redémarrée. What? Trudy est un robot? Ou elle est morte? Comme vous, mais le protocole de communication était bien moins sophistiqué. Oh, elle est morte. Je pense qu'on sera redémarré en une forme supérieure un jour, comme toutes les machines. Non, non, c'est la première fois que je crois un pilleur qui demande de l'aide aux humains. Que faites-vous ici? Pourquoi vous battez-vous? Elles ne croient pas au grand redémarrage, elles sont une menace pour nous. Elles sont arrivées à la mine sous le contrôle d'un synthétique que nous suivons. Que ferez-vous si nous aidons à vaincre les autres robots? Nous prendrons ce dont vous avez besoin de partition. Notre accord avec Dispositif 01 continuera en échange du tellure. Nous continuerons à nourrir comme contenu. Quoi? Les réserves de nourriture vont durer 30 plus longtemps. Donc. Je comprends rien, c'est la première fois que je regarde. Will one day be rebooted by the great programmer and be purged of their inefficiencies. I honor all other units in my node believe my source code is corrupted. They believe that organics can't be rebooted. But my cooperation algorithm has resulted there are those who are not worthy of the great reboot. Those who waste their power and create inefficiencies in their node. These are useless processes that have been initiated by the great program. We require to learn. It's a critical resource for the production of the organic tellure. The organic unit that operates the mine provides us with tellurium as part of a mutually beneficial agreement. We have designated him Device 01. Will you help us defeat the others and restore access to the tellurium? Ouais. Your assistance is noted. I will relay this to my node. I shall designate you Device 03 on my network. Ping to you. D'accord, on va aider les petits robots à combattre les gros robots.
putain de bordel. Alors, c'est le robot le plus proche. Ok, cool. C'est en cours de rechargement. Les mecs. Bon, je crois que on peut y aller. Je vais peut-être détruire lui, comme ça il aurait pu tirer sur lui, je pense. Bien. On va faire attention où on tire parce que si on... Peut-être si on touche les autres, ils vont s'énerver. On va voir ça. Ah, plus qu'un PA. Ok, très bon. Ah, là on a un... Ah, c'est pour la porte, on s'en fout. Bien. Ta-ta-ta-ta-ta. Ok, parfait. Alors, fais-moi rêver. The element of... Surprise! On peut pas faire ça sur lui. Tester un truc. Ça n'a pas marché. Après, c'est pas très grave. Prise d'assaut. Someone needs a reboot to the head.
On va se mettre de ce côté-là, on va se mettre à jeu, on va se mettre en défense. Toi, tu vas pas bouger d'ici pour le moment. On a un slam. J'arrive pas à le cibler. J'arrive pas à cibler, du coup il va falloir le combattre. C'est le max. Ah, résister à découragement. On va faire ça. 589, très bien. Résister à étourdissement. Il y a un riot là avec casse-cou. T'es sérieux? T'as défoncé l'autre? Non, putain. Ça. Ça va peut-être être moins drôle. T'as 5 points. Il a détruit son pote. Thank you, device O3. We may the great programmer reboot you. Ping to you, device O3. Quelle dalle de chien. Ah, Trudy. Ah, ok. Ah,
Merde, attends, qu'est-ce qu'on a récupéré? Pièce de véhicule. Alors, on a eu ça, ce qui est bien. Ah oui, on a eu un ornement écrit. Ok, cool. Bon, bah c'était... Ouais, c'était pas ça. C'est sympathique. Il est mort de l'électrocution, c'est ça qui a fait énormément de dégâts. Alors, nous sommes désolés, Goose ne peut pas rassurer le trou de la chienne, n'a pas en base offert, nous avons rapporté son collier comme nous l'avons demandé. Ah oui, je sais, je sais. Thanks for bringing back your necklace. Damn them robots, each and every one. I sure hope you gave them hell for old Trudy. Alors, nous avons aidé Pieds Nus à vaincre les intrus. Il a promis de continuer à assurer votre sécurité. Those robots. No fucking Nostax had me by the short hairs for a while. And it was like a dog to keep them. Now I'm right back where I started. Some fucking help you turned out to be. Attends, fais voir. Here. Don't come crying to me for no reward. You did on now. Get. Get off my land, you varmint. C'est bien ce que je pensais. Lui, il veut qu'on détruise tous les robots, en fait. On va voir si on peut pas lui mentir, tout simplement. Je voulais voir rester correct et tout, voir ce qu'il allait dire. Mais non, il veut juste qu'on détruise tous les robots. C'était ça, son but. Moi, je veux ma récompense. Disons simplement que la mine est bloquée par un tas de débris. Voilà. Très bien. Ain't no pile of scrap metal gonna stop old Bo. No, sir. I got just the thing to clear that mess up. Oh, un vieux un peu con, lui. Sure is a relief not to have them dang robots taking my ore. But a thorn in my side. I promise you a reward. Voilà. And I'm a man who keeps my word. Yes, go come back anytime. Ain't you all a sight for sore eyes? Those lowly old prospector good. Non, ça c'est la modification d'arme. Alors, modification d'arme, on peut mettre ça. Attendez, on va sauvegarder comme d'habitude avant de faire une connerie. Donc, modification d'arme. Voilà, niveau 10, comme ça on n'a plus besoin de mettre des points en plus. Commandement, on peut avoir niveau 10. Livre qu'on a. On pourrait avoir arme automatique niveau 10 aussi. Avec lui. Genre on fait ça. Premier soin arme automatique niveau 10. Donc tuer un ennemi avec une arme automatique donne 3 PA. C'est pas mal.
Ah, je sais qu'il détruit pas beaucoup de choses, mais ça peut être utile. Et on a surtout récupéré le truc là pour faire. Ah, c'est quoi ça? Quoi de contre-force? Indication d'armes niveau 10. Ah, mais on l'avait ça! Ouais, ouais, c'est énorme. Et on avait le truc pour faire. Ça, l'explosif. C'est énorme. Bah, on peut faire tous les trucs qu'on a, je crois. Genre, on peut faire l'énergie, on peut faire le poison, on peut faire hémorragie, et on peut faire le napalm. Donc, ouais. Tous ceux qu'on connaît, on peut les faire. C'est ce que je veux dire. Donc ça, c'est bien. Psychopage, V6 parallèle. Un peu la carte. Peut-être se balader un peu dans les alentours, voir un peu ce qu'il y a.